Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau food court et aujourd'hui on va prendre le petit déjeuner avec Mickey à l'hôtel Riviera. C'est parti! Aujourd'hui, un gros petit déj de prévu parce que il est très compliqué à avoir celui-là. C'est le premier que j'ai réservé quand c'était l'heure de réserver parce qu'il est vite pris d'assaut. Et c'est le petit déjeuner au Topolino Terrasse à l'hôtel donc Riviera qui est juste à côté de notre hôtel. Donc nous, on séjournait ici au Caribbean et le Riviera, il est là, donc on y va à pied et j'ai vraiment hâte de voir l'intérieur de cet hôtel. Coucou Amé. Salut. Et de voir surtout ce petit déjeuner avec les personnages, car vous avez Mickey, Minnie, Donald et Daisy en artiste, on va dire. Mickey il est en peintre, Donald en sculpteur, Minnie elle est en créatrice de mode et Daisy elle est en danseuse. Allez, on y va. Alors le Riviera est un hôtel très particulier parce que ce n'est pas un hôtel classique, c'est un Disney Vacation Club, c'est-à-dire que Disney, pour faire simple, c'est Disney en fait qui vous donne l'occasion d'acheter une chambre dans un hôtel, donc dans cet hôtel-là, et après vous pouvez échanger ces chambres dans les différents resorts du monde, normalement, voilà. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne chez nous en France, mais voilà, en fait vous achetez une chambre, vous achetez un appartement, comme vous achetez un appartement, vous achetez une chambre et en fait cette chambre elle est à vous et elle vous permet d'accéder à d'autres Disney Vacation Club dans le monde. Voilà, en gros. Donc c'est à dire que si vous voulez juste louer une chambre dans un hôtel ici ou quoi, il vous faut la sous-louer à quelqu'un et ben, du coup c'est hyper cher. Donc voilà, ici c'est la Quiet Pool. Et l'autre, la poule principale, la piscine principale, est là-bas, de l'autre côté, avec un toboggan. Et nous, le restaurant, il est tout là-haut. Voilà. Le restaurant où on va, il est tout là-haut. Donc nous voilà dans le hall d'entrée, dans le lobby de l'hôtel. Qui est assez petit. Oui. Et là... la boutique. Alors, on va faire un tour. Voilà, vous avez les articles du Riviera. Et vous avez même les articles. Donc, Mickey et Minnie, on va les rencontrer comme ça. Ils sont trop, trop beaux. Les peluches, elles font 25$. Mais après, il y a les porte-clés qui sont pas mal aussi. Hein. Plutôt que de prendre la grosse peluche. Ils font 13$ les porte-clés. Les Airs du Riviera sont très jolies aussi. Et on ne les a vues nulle part. Hein. Elles sont qu'ici. Il y a un lounge fly aussi. Des dessous de verre. Décoration. Une casquette avec marqué C'est la vie. Des verres. Là, regardez la décoration, c'est le Riviera. Et ici, un peignoir French Riviera.
Il y en a une deuxième, elle a comme ça. Tout en pilou-pilou. C'est super joli. Bon, ben voilà. J'étais obligé. Je vous la montre parce que vous l'avez forcément vue dans le hall, vu que le hall est sorti il y a un petit moment déjà. Mais regardez comme il est mignon, quoi. Voilà, on va le rencontrer comme ça en peintre. Mais cette tenue est magnifique. Magnifique. Allez, on y va maintenant. On va prendre le petit-déj. Regardez dans le couloir. Il y a des photos de Walt et sa famille à Paris. C'est génial. Là, c'est dans le sud de la France. Super belle photo. Et ce tableau là, ce tableau du château de Cendrillon est magnifique. Magnifique. Allez, on y va. On est arrivé, voilà, on est devant l'entrée du Topolino, mais on l'a réservé dans 20 minutes. On va voir ce qui peut passer si on va attendre. Mais regardez la vue. Regardez la vue de l'hôtel. Donc on arrive de là, hein, avec la piscine silencieuse, la quiet pool. Notre bâtiment, nous, d'hôtel, est juste celui-là, avec le Skyliner. On voit la Tote de là. On voit Expédition Everest même là-bas au fond. Je ne sais pas si je vais pouvoir le zoomer. Si. Et Epcot est de l'autre côté là, mais on ne le voit pas. Parce qu'il y a le toit qui gêne. Mais on a une vue magnifique. Et je ne sais pas même si ça là-bas, c'est pas Blizzard Beach. Si, c'est Blizzard Beach. Avec une grue, ouais. On est à table, hein, et on a cette jolie carte en cadeau signée de Donald, Mickey, Minnie et Daisy. Elle est très très belle, magnifique, hein. Et donc le serveur nous a dit que on pouvait commander une entrée. On va avoir des pâtisseries. Oui, parce que j'ai dit entrée, mais entrée ici c'est le plat principal. Donc on va avoir des pâtisseries pour commencer et après on commande le plat. Mais si on veut commander plusieurs sides, tout ça, il nous a dit c'est comme un buffet en fait. On lui commande et lui nous l'amène. Et on va prendre des boissons chaudes. Puis on va regarder un peu le menu et on vous dit. Oui, pardon. Elle dort encore à moitié. Désolée. Bon alors, le serveur est venu nous amener donc un jus. C'est le Pog, il a dit. Oui. C'est Passion Orange Guava, donc fruit de la passion, orange et goyave. Et on a donc, regardez, ça a l'air trop bon. Ici on a des petits muffins, ici on a des muffins, on dirait à la pomme, oui, c'est ça, et au fond il y a des croissants, croissants avec du Nutella, du beurre et de la confiture de fraises. Il y a de la cannelle. Oh non, dans quoi ? Dans celui-là. On dirait des mantecao. Ça a le même goût. Et on a commandé donc nos plats. Moi j'ai pris des gaufres. Hein. Alors c'est pas des gaufres Mickey, mais j'ai pris des gaufres sour cream waffle. C'est, et en fait on peut choisir les sides. Sur la carte, il avait marqué qu'on pouvait prendre bacon, saucisse ou du jambon. Mais moi j'aime bien déjeuner des œufs et du coup j'ai demandé si on pouvait prendre saucisses et des œufs brouillés. Elle m'a dit oui bien sûr, comme vous, on prend ce qu'on veut. Ah mais elle a pris la quiche, parce qu'ils font une quiche aux gruyères, la quiche lorraine, la quiche gruyère. Et pareil, en proposition il y avait jambon, œufs, non jambon, saucisses, que des trucs salés. Et il lui a proposé des gaufres, donc je pense qu'elle a des gaufres fait alors que c'est pas marqué sur le menu. Donc c'est vraiment con. C'est vraiment comme dans un buffet, donc ça c'est super cool. Ouais.
friend with your familia. Please welcome my students. And together, feed your souls. Bellissimo! Hi, Mickey. Oh, Mickey, how are you? Yeah! Yes, very good. Oui. Ah, j'étais surpris moi aussi, ouais, c'est justement ce que tu es en train de dire. J'ai été surpris, Mickey est arrivé direct droit sur nous. Ben vous l'avez vu, vu que je l'ai filmé, direct à notre table, donc trop bien. Il est magnifique. Il est un peu plus grand, hein. Il a grandi. Il a mangé de la soupe. Hein. Magnifique tenue. Oh, elle est trop jolie. C'est ça. Je me tue la robe. Let's give a buongiorno, a bienvenue, a warm welcome to our patron in residence, Signore Mickey Mouse. Signora Minnie. Le croissant est vraiment très bon. Ouais. Le muffin au chocolat était très bon. Et l'autre gâteau qui fait un peu crumble pomme cannelle. C'est bon, mais c'est un peu lourd. Ça, t'as vraiment le croissant. Vraiment très très bon. Il manque le pain. Pour l'instant, on passe un très bon moment. Voilà. Bon, ça y est, on est servi. Donc, voilà mon plat. Donc, c'est deux gaufres avec deux saucisses. Et là, c'est une crème. Au citron. C'est ça, c'est une crème fouettée. Au citron. Elle est citronnée, ouais. Et donc, mes œufs brouillés. Et Amé, donc, elle a sa cuisse avec une petite salade, tomates confites, bacon et des vraies pommes de terre. Et de l'autre côté, là-bas, elle a. C'est la même chose que les autres. Une petite gaufre. Voilà, allez, on va manger en attendant Donald et Daisy. C'est un super moment. Là, on va aller voir la vue sur la terrasse parce qu'évidemment, il nous conseille d'aller voir la vue. Donc, on a vu les quatre personnages. Dans la vidéo, il n'y en a que trois parce qu'il y a eu un petit bug avec Daisy. C'est moi, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Voilà, elle filmait. En plus, elle nous a fait un set. Elle nous a dansé et tout parce que j'ai demandé quelle était sa danse favorite. Alors, elle nous a fait une petite démonstration. J'étais un peu énervé, oui. J'étais un peu énervé parce que c'est dommage. Et là, on va sur la terrasse voir la vue et clôturer cette vidéo. Donc voilà, nous voilà sur la terrasse. Et la vue est plutôt pas mal. Oh, okay.
Regardez, on voit Galaxy's Edge de là. Regardez Galaxy's Edge. Donc, Typhoon Lagoon. Expédition Everest. Et Epcot est juste là derrière. Vraiment très très belle vue. Et ici vous avez la vue donc de notre hôtel. Et là juste en bas donc on voit la piscine. La piscine du Riviera. Avec le toboggan. Et ils ont encore de la pelouse synthétique, je ne comprends pas. Et ça donc c'est le Caribbean. Donc ici vous avez la Martinique, là c'est le lobby principal, là-bas c'est la Jamaïque et ici c'est Aruba où nous nous sommes. Ça paraît tellement petit d'ici. Ouais, alors que c'est immense. Il y a encore un quartier là-bas, c'est Barbade et Trinidad au fond ou l'inverse. Et tout au fond, au fond, au fond, ici, c'est le Art of Animation. Et là-bas, on voit les quilles, là, c'est le Pop Century. Ah, on a une belle vue, très très belle vue. Donc voilà, on a passé un super moment, nous, à ce petit déjeuner. Oui. Moi, franchement, je le conseille, parce que c'était très bon. Oui. C'est copieux. À midi, on ne mangera pas, c'est certain. Vu que c'est... comme un buffet, c'est pas un buffet, mais c'est comme un buffet. Vous pouvez choisir le side que vous voulez et du coup, ben, on a très bien mangé. Oui. En note, je mettrai un 8 sur 10. Oui. Bon, à chaque fois, tu me donnes la même note que moi. C'est toi qui m'as la même note que moi parce que tu l'as dit après. Je mettrai un 8 sur 10 parce que c'était très bon. Les personnages sont très sympas, tout ça. C'est assez bruyant. Ouais, bon, ça... La salle est assez bruyante. Et j'aurais bien aimé, c'est un petit déjeuner, j'aurais bien aimé un café ou un thé. Vous pouvez le prendre, mais c'est un supplément et c'est pas compris dans la formule. Et pour moi, un petit déjeuner sans boisson chaude, c'est pas un petit déjeuner. Donc voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est génial tout ça. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi à 9h. Et moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.